Bonsoir. Je suis Nestor, majordome de père en fils. J'ai moi aussi un maître. Je vous prie d'accueillir ce soir le maître de séance, Sieur Morin. Merci, mon cher Nestor. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes toujours parfait. Je comprends pourquoi voilà 15 ans que je vous ai à mon service. Bonne soirée. Je vous imagine confiné, bien installé chez vous. Mais d'ores et déjà, j'ai une requête à vous faire. Je vous demanderai de vous procurer un morceau de papier et de quoi écrire, car vous aurez force détails à noter tout au long de cette soirée. Le vieil adage dit que la réalité dépasse la fiction. Eh bien, pour nous, c'est un petit peu l'inverse. C'est la fiction qui va rejoindre la réalité ce soir. Pendant toute cette soirée, nous aurons à élucider un crime. Pendant cette soirée, il y aura 35 minutes de consacrées à une histoire criminelle. Et pendant 35 minutes, nos candidats, que dis-je, nos détectives, vont devoir résoudre l'énigme. Et puis, je reviendrai aussi sur trois questions tout au long de notre rendez-vous. Qui a tué? Avec quelle arme? Et dans quel lieu? Je voudrais tout d'abord vous présenter, bien sûr, ceux qui sont nos détectives ce soir. Tenez, vous reprendrez votre plumeau parce que je ne pense pas que ça fasse partie des armes du crime. Merci, mon cher. C'était vous, monsieur, qui jouiez avec. Ah non. Première équipe, composée de madame Evelyne Dunf et de monsieur Philippe Vigneron. Deuxième équipe, mademoiselle Alice Deden. Bonsoir. Monsieur Pascal Benoît. Bonsoir. D'ores et déjà, bonne chance, mais je pense quand même que dans votre travail de détective, dans votre enquête, dans l'enquête que vous allez avoir à mener, il serait nécessaire que vous soyez aidé un tout petit peu. Alors nous avons invité, ici au château, ce soir, deux personnalités qui vont venir vous rejoindre. Nestor, s'il vous plaît. Madame Michèle Larocque. Michèle Larocque. J'ai envie de vous accueillir, Michèle, bonsoir. Bonsoir. L'énigme policière fait-elle partie des choses qui vous passionnent? Mais absolument, oui, je pense que nous allons faire un bon travail ensemble. Vous n'avez jamais mené d'enquête? Si, tous les jours. Tous les jours? Et au théâtre? Mais aussi, oui, oui, dans les coulisses, j'espionne tout le monde. Alors, votre actualité en ce moment, Michèle? En ce moment, je viens de terminer un film, film de Camille de Casabianca qui s'appelle La véridique histoire de Madame Pételet. Et qui est avec une personne d'ailleurs que les spectateurs de France 3 connaissent bien, c'est-à-dire Maïté. Oui, oui. Est-ce qu'elle a eu le temps de vous apprendre la cuisine? Oui, un petit peu, entre deux prises, oui. Bien. Et voilà, mais j'apprends très vite. D'autres projets peut-être pour le théâtre et ou les écritures en tous les cas? Oui, j'adapte une pièce en ce moment, une pièce anglaise de Récounet, et puis je vais tourner avec Pierre Arditi un téléfilm le mois prochain. Je trouve que ces perspectives sont séduisantes, comme vous l'êtes d'ailleurs. Je vous remercie. C'est pour ça que je suis doublement ravi de vous accueillir. Vous allez rejoindre notre première équipe. Nestor va s'occuper de vous installer. Nestor. Et également, mon cher Nestor, vous allez nous proposer la deuxième personnalité? Absolument, monsieur. Jean-Claude Poirot. Jean-Claude Poirot. Hercule Poirot. Hercule, c'est ce qu'on devrait dire. Comment allez-vous, mon cher Jean-Claude? Écoutez, je vais très très bien. Homme de talent, vous pourriez peut-être me répondre avec les quelques questions que j'ai à vous poser. Avec des voix? Avec des voix différentes. Par exemple, Michel Serrault, est-ce qu'il vous est arrivé déjà de tourner dans un film policier? Non, c'est là. Bah oui, quand même. Oui. Garde à vue et autre chose. Mais alors, jamais dans ce genre de fiction, quand même, de découvrir un assassin ou alors une criminelle. Alors ça, non, jamais. Oui. Jean-Claude, votre actualité à vous en ce moment? Moi, je ne suis pas vraiment sur la 3. J'y étais beaucoup avec la classe. Oui. Et puis Fabrice, actuellement, je suis sur le bébé. Je vois. Sur TF1. Nos voisins d'en face et néanmoins amis. Oui, bien sûr. Et puis là, j'ai décidé d'être Hercule Poirot. Ça tombe bien comme détective, non? Parfait, hein? Oui. Agatha Christie, vous connaissez? Mais bien sûr. Ma biche. Ma biche. À part ça, c'est tout. Parfait. Voilà. Merci de nous rejoindre en tous les cas ce soir. Alors, vous allez épauler cette équipe qui est bonsoir, à côté de vous. Oh, j'ai même un... Voilà, alors, vous savez que dans toute énigme policière, dans toute histoire criminelle, il y a un ou deux suspects. Nous en avons six. À vous présenter, mon cher Nestor. Médecin de profession, il prépare son entrée en politique. Dès aujourd'hui, il traque les lecteurs et se veut au-dessous de tout soupçon. L'image, toujours l'image. Docteur Olive. La maîtresse des lieux. Courageuse, séduisante, autoritaire et malchanceuse. C'est son troisième veuvage. Le climat de l'abbaye, sans doute. Madame Pervenche. Militaire retraité dans un monde un peu trop civil, il passe aujourd'hui le plus clair de son temps à jouer aux petits soldats. Saïgon, Hanoï, Brazzaville. La nostalgie, camarade. Colonel Moutarde.
30 ans d'ancienneté. Cuisine, ménage, c'est une reine de l'intendance qui ne manque pas de franc-parler. Même si on ne sait jamais vraiment ce qu'elle mijote. Madame Leblanc. Passionné par les vieilles pierres, il passe aujourd'hui son temps à bouquiner des BD. Une reconversion bizarre pour un archéologue qui a été promis au plus grand avenir. Professeur Violet. Réceptionner les invités et s'occuper de leur soirée n'est pour elle qu'une étape. Jeune, ambitieuse et bien foutue, elle rêve d'enregistrer un disque, devenir célèbre et adieu l'abbaye. Mademoiselle Rose. Place au jeu. Ils sont bien, hein? Bien, maintenant que vous connaissez nos six suspects présentés brillamment par Nestor, eh bien, je voudrais vous présenter les armes qui ont éventuellement servi à commettre le crime dont il s'agit ce soir. Pourriez-vous faire quelque peu la poussière, s'il vous plaît, Nestor, l'espace de quelques secondes, de façon à ce que ce soit plus présentable? Non, mais c'est pas comme ça, la poussière, vous en mettez partout. 15 ans de service. Il y a la possibilité d'avoir usé de cette seringue. Ou alors, pourquoi pas, subrepticement emprunté sur un bureau, un coupe-papier. Autre arme possible, dans la cheminée, une bûche. Vous avez également le fameux Colt Frontière, à 6 coups, assez lourd. Cinquième arme, classique, le marteau. Et enfin, le couteau de cuisine. Voilà, vous avez bien enregistré les 6 armes possibles pour le crime. Alors, sans plus tarder, nous allons rejoindre le domaine de l'abbaye. Qu'est-ce que vous en dites, ma petite Rose, pour le menu de ce soir? Marbré de lapin à la gelée de muscat. Oh, j'aime pas le lapin. Il y a plein de petits os. Pas dans le marbré. Ensuite, filet de barbu en pipérade. Ah, par contre, j'aime bien les barbus. C'est du poisson. Ça vous aidera peut-être à gagner votre paradis. Hein, ma petite Rose? Remarquez, vous avez du pain sur la planche. Plateau de fromage et charlotte aux pêches avec son coulis de framboise. Domaine de l'abbaye, bonsoir. Oui, bien sûr, monsieur. Il nous reste la suite de la baronne. D'accord. C'est à quel nom? Monsieur Regnault. Très bien. Vous serez là pour le dîner? Ah, vous arrivez tout de suite? D'accord, eh bien, nous vous attendons, monsieur Regnault. Au revoir, monsieur. Vous pouvez rajouter un couvert. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous me voulez en poster géant? Non, non. Tenez, vous mettrez le menu au propre. Avec plaisir. Et mince. Et l'image d'homme intègre que veut se donner le candidat du RER, c'est moi, est fortement ébranlé par les allusions de son adversaire politique. En effet, lors de son dernier meeting, Jaunet... Ce Jaunet est vraiment un enfoiré. Mon cher docteur, on juge l'homme de guerre à l'aune de ses ennemis. On juge l'homme politique à son nombre de voix. Décidément, je ne comprendrai jamais rien aux façons de faire des civils. Oh, ils vous le rendent bien, colonel. Qu'est-ce qui lui prend à lui? Mes chers amis, bonne nouvelle. Nous avons un hôte de plus ce soir. Ah. Oui, il s'appelle Regnault. Jean Regnault. Je ne le connais pas. Moi non plus. C'est un acteur de cinéma? Docteur, ça vous dit rien? Qu'est-ce que vous voulez que ça me dise? C'est un client, c'est tout. Peut-être même un électeur. Jean. En tout cas, ce n'est pas un officier.
mon avis, va agiter notre petit micro-pause. Devrais-je porter mes bagages? Je vais fermer la porte. Ça va, c'est pas trop lourd? Non, monsieur. Bonne route, monsieur. Oh, très bien. Eh bien, voilà. Regnault Jean. Né le... Né le 7 mars 1948 à Versailles. Fils de François-Marie Regnault et de Jeannette Pradier. Président-directeur général de la compagnie d'assurance ISI, demeurant à Paris au 112 avenue Foch, 75 016. C'est moi, bonsoir. Très heureux. Rose ? Oh, Rose, s'il vous plaît, veuillez accompagner Monsieur Regnault dans la suite de la baronne. Nous dînons vers 20h30. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Je n'hésiterai pas. Et quand je dis que je n'hésiterai pas, je n'hésiterai pas. Après vous. Vous verrez, c'est une suite très agréable. Avec vue sur les ruines de l'abbaye. Alors, on reconnaît plus les vieux copains? C'est pas gentil, ça? On s'aime plus, tous les deux? C'est le passé. Et puis devant la patronne, tu comprends. Mais on met les vieux souvenirs. Tiens, parlons-en, justement. Des vieux souvenirs. Tu vois, moi, j'aimerais bien qu'ils me rapportent un petit peu, ces vieux souvenirs. Tu me fais visiter? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Oh, ben c'est très simple. J'ai joué au poker et j'ai perdu 1 million. Alors j'ai jusqu'à minuit pour payer ma dette, sinon... Mais qu'est-ce que ça peut me faire, moi? Non, mais je plaisante pas. Toi, tu vas me trouver cet argent avant le dîner. Ah, mais t'es malade. 1 million? Oh, ben tu dois pouvoir me trouver ça, et sinon, ça s'appuie le fric à tous les étages. Mais tu délires. Hein? En plus, on dîne dans 2 heures, mais... Eh ben, 2 heures et 1 million, t'as tout ton temps. Mais ce que... Non, mais rien du tout. Ou alors tu veux peut-être que je raconte tout? C'est ça, tu veux que je raconte tout, hein, entre la poire et le fromage. Oh, les petits 5 à 7 entre deux cours de danse. Oh, oh. Remarque, t'es très belle sur les photos, très très belle. Tu rêves toujours d'être une grande star? C'est pas gênant pour une star, ça? Jean-Jean? Oui? Tu dis ça parce que t'es énervé? Ah non, alors ne perds pas ton temps, ma Rosette. Perds pas ton temps. C'est vraiment très joli ici. Moi, j'aime beaucoup. T'as entendu? T'as déjà perdu 1 minute, là? Ça, c'est amusant. J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontré quelque part, non? Ça m'étonnerait. Oh, si, si. Et puis d'habitude, je suis très physionomiste. Et un portrait comme le vôtre, ça ne s'oublie pas. Bon, et toi? Tu veux que je te refasse le tien? Eh ben, tu vois, ça te revient. Oh! Mais vous aussi, je vous ai déjà vu. Moi? Mais oui. Négatif. Oh, si, si, si. Oh, une gueule de baroudeur comme la vôtre, ça me rappelle quelque chose. N'oubliez pas, mon petit bonhomme, que vous parlez à un colonel. Oh, oh. Un colonel. Mais un vrai?
Enfoiré. Je viens de parler à Leblanc, la cuisine. On annule le marbré. Vous remplacez par des œufs en meurette. Toujours pareil jusqu'à quand j'ai terminé. Eh bien, vous recommencez. Ah, Rose, pendant que j'y pense, je voulais vous dire, je trouve que vous vous occupez très bien de notre clientèle. Oh, madame. Mais ce soir, je vous demanderai de garder vos distances. Madame? Oui, surtout avec le monsieur qui vient d'arriver. C'est une ancienne relation à vous? Non, mais de toute façon, ça ne vous regarde pas. Faites ce que je vous dis. Un point, c'est tout. Excusez-moi, madame. Je ne voulais pas remuer de vieux souvenirs. Rose, faudrait que vous compreniez qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Est-ce clair? Gna. Madame. Alors ça y est, t'as réfléchi, colonel? Oh, et c'est le pas lourd du soldat dans la plaine qui t'empêche de me répondre? Je suis pas venu là pour faire mumuse, colonel. Regnault, t'as renversé Grouchy et le deuxième dragon. C'est vrai que Grouchy était en partie responsable de la défaite de Waterloo. Mais c'est pas une raison. Je renverse qui je veux. Même les colonels. Comme celui de la bavure de Brazzaville, par exemple. 13 morts, c'est ça? Ça porte malheur? Il y a longtemps que cette histoire est enterrée. Eh ben alors, m'oblige pas à creuser. Hein? Tu me donnes mon million et je pose ma pelle. Attends, Regnault. Oh, mais j'attends, j'attends. Jusqu'au dîner. Colonel. Fumier. Aïe, 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 coucou, mais viens, mon petit violet, il y a du grabuge. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre canard qui vous tracasse? Vous inquiétez pas, Leblanc. Faites donc des hamburgers, ça ira très bien. Mais qu'est-ce que vous me chantez avec mon canard? Il ne s'agit pas de ça. C'est de la barbue, du fil, de la filet de barbu. Oh, et puis je m'embrouille. Non, écoutez-moi bien, mon petit, c'est beaucoup plus grave. Grave? La petite Rose, votre amoureux vient de sortir. De qui parlez-vous? De ce Regnault, je crois. Vous n'êtes pas bien, colonel? Ma petite Rose, dans l'armée, on aime que les choses soient bien claires. Je vous ai vu avec ce type. Je le connais pas. Bien sûr, il vient d'arriver, mais... Mais quoi? Par le hasard le plus fortuit, j'ai été témoin d'une scène tout à l'heure, qui m'a rappelé une excellente maison de Hanoï. Mais je pense que vous devez confondre. C'est ça. C'est Leblanc qui embrassait Regnault. Vous le connaissez? D'où? Comment? Pourquoi? Dites donc, colonel, le bruit des canons vous a tapé sur le système? Qu'est-ce que tu viens faire là? Moi, je suis venu te voir. Tu me manquais, docteur. Ah, ben pas moi. Je vois que t'as pas perdu ton franc-parler. On m'a dit que tu te lançais dans la politique, c'est très bien ça. Pourquoi? Tu veux financer ma campagne? Oh, non. Non, non, je peux pas. J'ai des soucis. Et c'est même d'ailleurs pour ça que je suis venu demander un coup de main à mon vieil ami. On est toujours amis, Olive. Excuse-moi, j'ai une mauvaise mémoire. Pourquoi tu le prends comme ça? Moi, je suis pas rancunier. Je suis prêt à oublier que t'as failli me laisser sur le carreau. Qu'est-ce que tu veux? Je veux de l'argent. Et tout de suite. Ah oui? Et pourquoi? J'ai pas à t'expliquer pourquoi. Je te dis que j'en ai besoin, c'est tout. Et comme on s'aime bien tous les deux, j'ai pensé que tu pourrais m'aider. Eh ben, t'as tort. J'ai pas d'argent. Oh. Mais t'as jusqu'au dîner pour m'en trouver, hein? Regarde, il est 18h38. Ça te laisse plus d'une heure. Je te dis que je n'ai pas d'argent. Fous-moi le camp. Tu vas m'obliger à parler de tes bavures médicales pendant le dîner, devant tout le monde. Hein? Pense à Jounet,
ça des électeurs. Si on sortait le dossier... C'est vraiment une pourriture. Tu serais sûrement rayé de l'ordre des médecins. C'est pas terrible, ça, pour une carrière politique, non? Bon, ça va. Laisse-moi du temps. Non, mais je t'en laisse. T'as jusqu'au dîner. Ton feu s'éteint, là. De faire plus ample connaissance avec les six personnages qui vivent dans le domaine de l'abbaye, avec les six suspects en quelque sorte, je vais vous proposer maintenant de découvrir le plan de cette abbaye avec huit endroits possibles pour le lieu du crime. Mais avant cela, je vous rappelle qu'il y aura trois questions sur lesquelles je reviendrai en permanence, c'est-à-dire qui a tué, avec quelle arme et dans quel lieu. Alors les lieux maintenant de l'abbaye. Préparez-vous à les noter, cher détective. 1. Le salon. 2. La chambre. 3. La salle de jeu. 4. Le grand escalier. 5. La cuisine. 6. La réception. 7. La bibliothèque. Et en 8. Le couloir. Alors... Les téléspectateurs, vous aussi chez vous, vous allez pouvoir jouer avec nous. Dans le magazine Télé Loisirs, vous trouvez la même grille que nos détectives, avec en plus, bien sûr, des indices qui vous mettront sur la piste. Avant la fin de l'émission, dès que vous aurez trouvé le coupable, l'arme et le lieu du crime, appelez vite ce numéro, regardez-le, inscrivez-le tout de suite, le 36 68 45 55, 36 68 45 55, et vous avez à votre disposition, bien sûr, le Minitel 36 15 France 3. Alors, je suppose que vous avez tous envie de voir la suite de cette fiction ce soir. Eh bien, sans plus tarder, nous retournons au domaine de l'abbaye. Monsieur, vous ne voulez vraiment pas qu'on appelle le docteur Olive? Non, ça va. Non, mais je suis en dessous de tout. Il faut que je vous explique. Ça va, je vous dis. Non, mais je plantais un coup et je... Jésus-Marie, il est pas bien celui-là. Domaine de l'habit, bonsoir. Non, monsieur, nous sommes complets. Oh, écoutez, puisque je vous dis qu'il n'y a plus de place. Oui, non, mais j'ai très bien compris que vous étiez un grand tour opérateur. Mais qu'est-ce que ça peut me fiche, moi? Il faut aller opérer vos tours ailleurs. Téléphonez au directeur. Mais c'est ça, téléphonez-lui. C'est moi qui réponds au téléphone. Lui écrire? Eh ben c'est ça, écrivez-lui. Mais vous êtes devenue complètement folle, ma petite Rose. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez très bien qu'il nous reste de la place. Mais répondez-moi, qu'est-ce qui vous a pris? Je ne sais pas, madame. Excusez-moi. Je me sens un petit peu nerveuse, c'est tout. Vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'ambiance en ce moment au domaine? Vous êtes ridicule, Rose. Allez donc prendre une douche froide avant le dîner, ça vous remettra les idées en place. Ah, monsieur Regnault, quelle bonne surprise. Une petite fille? Ça aide à vivre. C'est les lombaires, ça. Vous êtes tombé? Vous avez demandé l'heure de terre. Vous voulez une BD marrante? Qu'est-ce que vous aimez? Une BD. Non? Je propose comme ça, hein. J'ai un petit analgésique dans ma trousse. Une petite intraveineuse. Je suis pas encore au cimetière. Fiche-moi la paix. Non, mais moi, je voulais soigner un vieil ami. Excusez-moi, colonel. Quelque chose qui ne va pas, monsieur Regnault? Tout va très bien, madame Pervenche. J'ai de plus en plus faim. Je vais aller me reposer 10 minutes dans ma chambre. A tout de suite. Pour le dîner. Pardon. J'ai dit non, docteur, pas de piqûre. Non mais attends. Tu l'auras ton pognon. Laisse-moi jusqu'à demain. Désolé, je ne peux pas attendre. Oh mais remarque,
T'as encore une demi-heure avant le dîner. En une demi-heure, on peut en trouver du pognon, hein? Allez, allez. Non, mais... Bonsoir, Rose. Bonsoir, docteur Olive. Jean-Jean, attends. Dis-moi, il y a eu des sentiments entre nous, non? Il y a eu des sentiments entre nous, non? Ma pauvre fille. Allez, va jouer à la petite soubrette. Mais... Je t'ai aimé. Peut-être que je t'aime encore. Et je peux t'aider. Pourquoi? T'as trouvé mon million? Je te déteste. Madame. Oh, merci, colonel. Violet, mon grand, ça t'ennuierait de nous laisser un moment? Juste une seconde, nous avons un petit problème à régler. Merci, tu es adorable. Sacré colonel. Chère comtesse, mon honneur de colonel dut-il en souffrir? J'ai moi aussi quelque chose à vous demander. Bien. Écoutez, colonel, j'irai droit au but avec vous. Droit au but. Je... Enfin, vous... Voilà, il faut que vous m'aidiez. J'ai besoin d'argent. 1 million. 1 million? 1 million. Je ne vous demande pas pourquoi. Non, je vous en prie, colonel. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je vais vous demander ce que je vous demande. Hein? Il me faut 1 million et moi aussi. Qu'est-ce qui se passe, Blanc? Rien, juste une petite soif. Vous avez l'air très nerveuse. J'ai toujours peur, mon petit Violet. C'est ce monsieur Regnault. Je trouve qu'il a de mauvaises manières. Ça vous travaille, hein? Vous savez ce qu'on va faire? Après le dîner, je prends l'argent et je vais le cacher dans le parc. Oui. Près du belvédère, là, c'est sûr que personne n'ira le chercher. Et... Merci, mon petit Violet. Permettez que je vous embrasse. Ne vous inquiétez pas, Leblanc. S'il arrive quoi que ce soit, je vous défendrai. Oh là là, il y a des jours où on ferait mieux de rester couché. Des soucis, docteur Olive? Oui, je vous avoue que j'ai un petit problème. Problème d'argent. Bon, problème de riche sans doute, mais problème quand même. Pour financer votre campagne électorale? Oh non, alors pour ça on trouve toujours. Non, c'est autre chose, mais malheureusement je ne peux rien dire. Figurez-vous que nous aussi, nous avons un léger problème de trésorerie. Mais vous plaisantez. Non, docteur. Nous sommes comme Hannibal devant Scipio. Mais j'ignore si Hannibal s'en serait sorti avec 1 million. Qui vous a parlé d'un million? Docteur, l'ennemi est commun et l'heure est grave. Alors arrêtez vos conneries. Tiens, ma petite Rose. Un problème de cœur? Ou problème d'argent, peut-être? Oui. Mais comment le savez-vous? Scipio réclamerait-il un autre million? Non, c'est pas Scipio, non, mais il me faudrait avant le dîner. Bienvenue au club. Le dîner est servi. Madame Leblanc nous a préparé un délicieux. J'ai dit une bêtise? Personne n'a faim ce soir? Moi non plus d'ailleurs. Je vous laisse.
Qu'est-ce qui se passe? Fermez vos fenêtres. Attention. Là, c'est oui, attention, attention. Pervenche. Oui. Madame Pervenche, restez avec nous. Restez avec nous. Ça va aller. Ça va aller. Mon petit violet. Oh, c'est du gigot. Je ne changerai jamais. C'est du poisson, de la barbue. Oh, tout le monde peut se tromper. Dis donc, le blanc. Je pense qu'ils ont tous ce soir. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas d'arête dans la barbue. Ça leur resterait en travers de la gorge. Pour moi, c'est sûr, c'est ce monsieur Regnault qui nous amène la misère. Oh. Allez, à plus tard, le blanc. Voilà, c'est terminé. Vous êtes sûr de vous, au moins? Bon, écoutez, colonel, vous savez tuer les gens, moi je sais les soigner. Hein? Alors ça va. Ah, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ah oui, c'est ce type, il est détestable. Donc vous le connaissez bien? Vous êtes pire que lui. Merci, docteur. Je me sens beaucoup mieux. Bien. Va falloir aller dîner maintenant. Alors là, une minute, j'ai un coup de fil à donner. Attendez, moi aussi. Oui, non, mais excusez-moi, mais moi, c'est urgent. Vous croyez que j'ai le temps, moi? Allez donc, piquer Regnault. Messieurs, messieurs. La ligne est coupée. Sortez, madame Moi, je vous en supplie. Oh, faut pas que vous parliez pendant le dîner. Donnez-moi encore une chance. Regnault. Le dîner est servi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Papa, mon grand. Je me sens pas très bien. Alors, toujours en retard, comme d'habitude. Je ne suis pas le dernier à ce que je vois. Que d'ailleurs, il faudrait... Moi, je vous propose... Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon ce soir? En somme, rien ne peut vous couper l'appétit à vous. Oh, des urmerettes. Oh, oh. Excusez-moi. Je sais pas si je pourrais honorer la barbue. Il ne manque plus que Regnault. Que se passe-t-il, Leblanc? C'est horrible. Monsieur Regnault, il est mort. Oh, oh. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà une vague idée sur qui est l'assassin, sur l'arme utilisée, sur le lieu. Moi, pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Nestor, vous n'avez pas une petite idée non plus? Absolument pas, monsieur. Merci, Nestor. Première partie du jeu, le lieu du crime. Donc, dans cette première partie, nous allons nous intéresser uniquement au lieu du crime. Là, je m'adresse en particulier à vous, à l'équipe de Michel Larocque et à l'équipe, bien sûr, de Jean-Claude Poirot, nos célèbres détectives. Oui, oui. Nous allons nous intéresser uniquement au lieu du crime, c'est le début de l'enquête. Et pour cela, nous allons vous aider en vous rappelant que je ne suis au courant de rien. Je le précise, à chaque fois, on m'a remis 7 cartes. Mon cher Nestor, vous les avez dans la main, vous êtes de plus en plus rapide. Pourquoi 7 alors qu'il y a 8 lieux, me direz-vous? Tout simplement parce que la 8e, c'est la bonne réponse. On ne va quand même pas vous la donner. Donc, pour vous aider, vous en choisissez une au hasard, et ainsi vous pourrez la rayer sur votre grille. Nestor, première équipe, celle de Michel Larocque. Allez-y, oui, oui. Ah bon, très bien. Vous porterez chance, Michel. Oui. Voilà. Vous le voyez, l'escalier n'est pas le lieu du crime. Deuxième équipe, celle de Jean-Claude Poirot. Carte.
Major, les jeux de cartes. Oui, prenez une carte. Notez, la salle de jeu n'est pas non plus le lieu du crime. Tenez, donnez-moi une carte également. N'importe laquelle, voilà. Ça, c'est pour vous. Regardez de quoi il s'agit. Enfin chez vous, éliminez le couloir. Voilà, tout le monde a les éléments pour, je le répète, le lieu du crime. Alors, nous allons maintenant savoir quelle équipe va commencer. Est-ce que c'est l'équipe de Michel Larocque ou celle de Jean-Claude Poirot ? Honneur à Michel Larocque, quand même. Honneur à Michel Larocque, c'est vous qui allez commencer l'interrogatoire. Ah. L'équipe de Jean-Claude Poirot, vous vous retirez. Nestor va vous expliquer de quoi il retourne. Vous allez vous isoler de façon à ne pas entendre les questions posées pendant l'interrogatoire de l'équipe de Michel Larocque. Ouais, chers amis. À très bientôt. Michel et votre équipe, vous êtes prêts ? Et vous va commencer, non ? C'est Philippe. C'est Philippe qui va commencer. Très bien. Tiens. Mademoiselle Rose, en sortant de votre discussion avec Monsieur Regnault, vous avez l'air très énervé. Et pourquoi courez-vous dans le couloir pour, comme si vous vouliez chercher un revolver ? Non, je courais dans le couloir parce que j'avais entendu du bruit. Donc je voulais voir si quelqu'un avait entendu notre discussion, voilà. C'est tout. C'est tout. Autre question ? Evelyne ? Oui, alors au colonel Moutarde. Oui. Colonel Moutarde, vous, on a remarqué que lorsque vous étiez près du feu, vous, dans le salon, vous avez pris une bûche. Est-ce bien cela ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas pris de bûche ? Pas du tout, j'ai tapé ma pipe contre les linteaux pour enlever le tabac qui était dedans, qui était usé. C'est tout. Elle s'est cassée, d'ailleurs. C'est le geste classique du fumeur de pipe, d'ailleurs. Tout à fait. D'accord, vous l'affirmez en tout cas. Absolument. Bien. Michel, vous pouvez poser une question. Alors, moi, bien je vais poser une question à Madame Pervenche. Chère Madame Pervenche, on vous a vu frapper à la porte de la chambre de Regnault. Et après, vous aviez l'air très contrarié. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'était parce que vous aviez deviné qu'il était sorti ou parce que vous pensiez qu'il ne voulait pas vous répondre ? Non, je pensais qu'il ne voulait pas me répondre. L'heure du dîner approchait et j'étais très angoissée, très inquiète, parce qu'évidemment, je n'avais pas l'argent et j'espérais bien le trouver. Ah bon, très bien. Philippe ? Oui. Docteur Olive ? Oui, bonjour. Bonjour. Êtes-vous allé dans la chambre de Monsieur Regnault ? Pas du tout, non, j'ai rien à y faire. Je n'ai pas de relation particulièrement coupable avec Monsieur Regnault. Non, c'est pas mon genre. Ça me rassure. Merci. Alors moi, je vais vous demander à Madame Leblanc si vous êtes allée dans la chambre de Monsieur Regnault. Parce que j'ai une tête allée dans la chambre des messieurs. On ne sait jamais, vous savez. On ne sait jamais. Donc. Non, Madame. Non. Vous savez, Madame Leblanc, vous pouvez cacher votre jeu. Je ne cache rien. Je suis blanche comme neige. C'est le cas de le dire. Professeur Violet. Oui. Dans l'escalier, vous montez en contresens en disant que ça ne va pas. Précipitamment. Oui. Où allez-vous ? Dans un endroit où généralement on va tout seul. Où on est seul, où on est tranquille, où on a envie d'être tranquille, où on peut... Et ce n'est pas forcément la salle de bain. Non, pas forcément, non. C'est un petit endroit. Mais qu'est-ce qui vous pousse à aller si précipitamment qui me pousse à y aller dans cet endroit ? Ah, d'accord. C'est une question intéressante. Oui, mais en même temps, indiscrète aussi. Non, mais une maladie soudaine ? Ouf. Oui, un petit mal de ventre. Très bien. Mais je n'ai pas empoisonné. C'est mon ami. Bien entendu. N'est-ce pas, mon petit Violet ? Bien sûr. Bon, votre interrogatoire est terminé pour l'équipe de Michel Larocque. Mon cher Nestor, si vous voulez faire intervenir l'équipe de Jean-Claude Poirot, pendant que Michel et vos amis, vous allez également vous isoler à votre tour. Voilà, venez vous installer. Comme je l'ai dit à l'équipe de Michel Larocque tout à l'heure, vous posez une seule question à chaque suspect à tour de rôle. Alors, qui commence ? Professeur, êtes-vous allé dans la bibliothèque ? Non, je ne suis pas passé dans la bibliothèque. Non, je ne suis pas passé. C'est sûr, ça ? Ah oui, absolument, oui. À aucun moment ? Oui, oui. Non. Autre question ? Oui, j'aurais une question à Madame Leblanc. Oui, je vous écoute, charmant jeune homme. Très chère Madame Leblanc, nous vous avons vu courir un moment dans l'escalier d'une manière un peu affolée. Vous avez dit à Monsieur Violet que quelque chose était grave. Qu'est-ce qui était grave ?
Ah non, pas du tout, non, mais c'est un petit exercice que je fais pour me détendre un peu entre tout le travail que j'ai dans cette abbaye. Alors je m'oxygène de cette manière. En disant que les choses sont graves. En disant que les choses sont graves. C'est un petit jeu entre M. Violet et moi. C'est habituel entre nous. Voilà. Oui, oui. C'est comme si vous chantiez une chanson. Quoi. Exactement. Il y a quelque chose de très grave. Oui, voilà. Je ne vous chanterai pas ce soir. Grave, elle chante. Oui. C'est amusant. Autre question. Alors, docteur Olive. Merci. Où êtes-vous allé en quittant le grand salon? Pourquoi êtes-vous arrivé en retard dans la salle à manger? Pourquoi je suis arrivé en retard? J'ai été téléphoné parce que j'ai eu un petit peu une manie du téléphone, mais pas seulement une manie, parce que c'était nécessaire. Je cherchais à réunir les fonds et je pense d'ailleurs que j'avais déjà réuni une partie des fonds par téléphone. Des fonds nécessaires que M. Regnault essayait de m'extorquer. Jean-Claude Poirot, vous aviez reçu ces fonds déjà? Comment? Vous aviez reçu déjà les fonds? Non, mais j'étais sûr de les avoir. Comme il fallait les avoir très vite, par téléphone, j'avais réussi à pouvoir peut-être les avoir très vite, mais pas tout. D'accord. C'était pas vraiment sûr, parce que c'était simplement... Parce que c'était pas sûr, c'est la deuxième partie, mais j'avais pas assez. Mademoiselle Rose, effectivement, nous avons vu Mademoiselle Rose faire beaucoup de choses, donc elle se balade beaucoup dans cette abbaye. Et en sortant donc d'une discussion avec le colonel Moutard ici présent, j'ai eu l'impression que vous étiez un peu énervé et que vous aviez l'impression de chercher quelque chose. Peut-être le revolver dans l'escalier, me trompe-je? Me trompe, vous avez dit? Me trompe-je? Il l'a dit vite donc. Non, pas du tout, je n'ai pas cherché le revolver. À vrai dire, quand je me suis retrouvée face à ce tableau, où il n'y avait plus de revolver, je vais vous dire, moi je suis dans la maison, j'accueille les clients, je les amène à leur chambre, je passe devant une quinzaine de fois, je sais qu'il y a deux revolvers, et là je me suis aperçu qu'il n'y avait plus qu'un. D'accord. Vous avez une tête à se servir d'un revolver? Non, avez-vous une tête à vous servir d'un revolver, Mademoiselle Rose? Non, à votre avis. Et pensez-vous que quelqu'un ici a une tête à se servir d'un revolver? À vous de le deviner. Très bien. On verra pour les armes, pour l'instant c'est le lieu du crime. Bien. Voilà, l'interrogatoire est terminé concernant l'équipe de Jean-Claude Poirot. Vous faites rentrer nos amis et l'équipe de Michel Larocque. Et nous restons là. Et on reste là pour l'instant, oui. Alors, je vais demander maintenant au public de voter. Vous avez vos boîtiers qui sont devant vous, reliés à un ordinateur. On va vous donner un petit top de départ. Attention. Voilà, top. Vous pouvez voter. Alors, les résultats pour le public, 78% du public pense que le lieu du crime... et la chambre. Les premières propositions que vous avez à nous faire sont des suppositions uniquement. En respectant toutefois, vous êtes obligé de tenir compte du choix du lieu du crime par le public, c'est-à-dire l'équipe de Michel Larocque. Je vous pose la question, nous sommes dans la chambre, mais à votre avis, avec quelle arme le crime a-t-il été commis? Supposition, je le répète, et par qui? Alors, Evelyne, qui... Quel assassin, quelle arme? Quel est l'assassin, oui. Moi, je dirais que c'est le colonel Moutarde. Parce que... Bon, on ne peut pas dire pourquoi, si. On ne dit pas pourquoi. Pas forcément. Gardons une supposition pour l'instant. Vous menez votre enquête. C'est difficile pour le moment. La chambre, colonel Moutarde et... Peut-être une seringue. Peut-être la seringue. L'équipe de Michel Larocque n'a aucune bonne réponse sur 3. L'équipe de Jean-Claude Poirot, la chambre, bien sûr, pour le lieu du crime, dans cette première proposition, supposée... Quelle arme, quel assassin? Je sais pas ce qu'ils vont dire, mais moi ça me semble tellement facile de penser que c'est la chambre que... Non mais la chambre, c'est, vous êtes obligé de tenir compte du vote du public. Du vote du public. Vous n'y coupez pas, si j'ose dire. Ouais. Alors, quelle arme et quel assassin? Oui, comme arme pour l'instant, on pense au marteau. Au marteau? Oui. Bien. Et on penserait comme assassine, Madame Pervenche. Parfait. Réserve. Oui. Supposition pour l'instant. L'équipe de Jean-Claude Poirot n'a aucune bonne réponse sur 3 non plus. Maintenant, deuxième partie du jeu, l'arme du crime. Alors, la suite de l'enquête, donc, pour l'arme du crime maintenant, l'arme, après le lieu. Nous étions dans la chambre tout à l'heure, vous avez fait vos propositions. L'arme du crime, je vois que ça fait sourire Michel Larocque. Ça va peut-être vous donner des idées pour vos écritures. Les cartes vous seront proposées par Nestor. 5 cartes seulement, parce que la sixième, bien sûr, c'est la bonne réponse. La seringue n'est pas une arme du crime. Une carte à l'équipe de Jean-Claude Poirot maintenant. Le pistolet n'est pas une arme du crime non plus. Voilà,
puisque tout à l'heure, c'est l'équipe de Michel Larocque qui a commencé, je vais vous demander, Michel, de sortir avec vos deux amis. Jean-Claude Poirot, quant à vous, nous attendons votre interrogatoire. Une question pour l'arme du crime, une question à chaque suspect. À Mademoiselle Rose. À Mademoiselle Rose. Madame Pervenche a laissé le coupe-papier dans la réception. Oui. L'avez-vous repris ? Non, je l'ai laissé à la réception. J'en ai tout le temps besoin à la réception. Colonel Moutarde, nous vous avons vu empoigner la seringue lors du malaise de Madame Pervenche et la mettre dans votre poche. Pour quelle raison ? Parce que j'ai le traîné sur la table. Est-ce que j'ai une tête à me servir d'une seringue pour flinguer quelqu'un ? Non, c'est bien vrai. Vous n'avez pas remarqué ça ? Une tronçonneuse plutôt. Effectivement. Donc vous restez dans les imitations, hein. Oui, bien sûr, cher ami. Détective, vous ne ferez pas fort. C'est donc par un souci de sécurité, en fait, pour que personne ne se blesse. Absolument. En quelque sorte. C'est ça le caractère. Très bien. Jean-Claude Poirot, une question Non, parce qu'il va me rabrouer. Non, mais une question à Madame Pervenche, par exemple. Madame Pervenche est tout à fait charmante. Alors, qu'est-ce qu'on avait préparé comme question à Madame Pervenche ? Sur le couteau. Vous l'aviez laissé dans le bureau ? Oh oui, mais je suis tête en l'air. J'étais tellement préoccupée avec cette histoire de changement de menu à la dernière minute que je suis sortie en courant de la cuisine avec les nouveaux menus à refaire. J'avais le couteau à la main et je l'ai amené jusqu'au bureau. Voilà. Et comment se fait-il donc que le professeur Violet le retrouve dans la cuisine ? Qui l'a apporté là ? Ah bah ça c'est sûrement Leblanc qui a dû aller le rechercher. Moi j'avais besoin de mon couteau pour couper mes tomates. Bien sûr. Et heureusement que j'ai mon petit Leblanc qui est toujours là pour me... Pour... Donc vous vous promeniez avec un couteau de cuisine ? Ah bah oui, mais oui. Bon. C'est quand même marrant dans cette maison, hein, qui balaye en disant c'est grave. Ça, c'est vrai. Qui se promène avec un couteau de cuisine, c'est... Comment y a personne ne balaye ? Bien, une question avant qu'on ne revienne sur Madame Leblanc qui avait enchaîné avec Madame Pervenche. Oui. Une question au docteur Olive. Oui, docteur Olive, on voit que vous occupez beaucoup du feu. Il devait certainement faire un peu froid dans l'abbaye. Mmh. Mais je vous ai vu beaucoup près des bûches. Est-ce que vous n'auriez pas gardé une bûche pour l'hiver ? Ah, bah, je vais garder une bûche pour l'hiver. Ça fait pas longtemps pour se chauffer. Hein. Ça va faire juste... Non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une bûche ? Non, vous n'avez pas pris de bûche. D'abord, je ne suis pas chez moi. Hein. Je suis chez Madame Pervenche. Et on a des très, très bonnes relations. Alors, je n'ai pas... D'ailleurs. Je vais pas. Ça dépend, il m'arrive de payer mes repas, colonel. Donc vous nous confirmez que vous avez laissé les bûches près de l'âtre. Ah, je n'ai emporté aucune bûche, ce serait quand même pas très bien élevé de ma part. Jean-Claude, est-ce que c'est vous qui poseriez une question maintenant à Madame Leblanc ? Ce qui m'embêtait, c'était au niveau de... Mais peut-être avec une autre voix. Docteur Olive. Façon inspecteur. Il n'a pas fini, là, il veut quelque chose, il veut une précision. C'est une histoire de téléphone. Oui. Oui. Histoire de téléphone. Je vous rappelle que nous cherchons l'arme, plus spécifiquement. D'accord, enfin, moi ça m'inquiète cette histoire de téléphone depuis tout à l'heure, et puis comme je n'ai pas pu beaucoup parler parce que je suis un petit peu embarqué dans ce que j'ai vu. Oui. Le téléphone tout à l'heure, docteur Olive. Oui. Vous avez été, est-ce qu'il n'était pas coupé ? Vous auriez peut-être un portable, non ? Non, là, j'ai un portable. Oui, j'ai un portable, oui, en effet. Il est là, mais quand j'ai... On devait téléphoner tous les deux, on avait un coup de téléphone à passer, on a constaté que la ligne était coupée. Ah, et pourquoi ? Eh bien, je vous le demande. Mais pourquoi ? Ah, mais alors, qu'est-ce qu'on a rédigé comme question ? Leblanc, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que vous avez touché au revolver ? Et alors, la bûchette aussi, on dit, oui. On peut plusieurs ? Oui. Alors, est-ce que vous avez touché au revolver, à la bûchette ou à la seringue ? J'ai touché au revolver parce que je l'ai trouvé par terre et automatiquement je l'ai remis à sa place. Ah bon. Je passe mon temps à remettre les choses en place. C'est le cirque dans cette maison. Oui. On dira chamalière. C'est un peu pareil. Chamalière, un émol remet tout en place. Ah oui. Bien, elle ne tue pas, elle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, une dernière question maintenant. Allô. Professeur Violet. Oui, professeur Violet, puisqu'on est dans les armes, restons global. Est-ce que vous avez touché justement une de ces armes, que ce soit le coupe-papier, le couteau, le marteau, les bûches, la seringue, enfin, une de ces armes ici sur la table. Mais... Et le pistolet. J'ai touché le couteau, comme vous avez pu le voir. À la cuisine. Et vous l'y avez laissé ? Je l'ai laissé. Il était sur la table. Moi, je me sers quand je passe dans la cuisine. Je prends les ustensiles. Je touche toujours beaucoup à beaucoup de choses. Je suis archéologue. J'aime bien toucher les matières. Donc je... Il m'a aidé à faire la cuisine. Voilà, fin de l'interrogatoire de l'équipe de Jean-Claude Poirot. Vous allez vous retirer à votre tour. Nestor, faites entrer l'équipe de Michel Larocque. Vous oubliez mon nom, monsieur ? Eh oui, ce sont des choses qui arrivent, vous savez, le soir, quand il est un peu tard. Voilà, vous vous installez. Je le rappelle, vous avez maintenant à
traité d'un interrogatoire sur l'arme du crime. Sur les armes. Alors c'est Philippe qui va commencer. Nous sommes d'accord ? Oui. Une question, comme tout à l'heure, une question par suspect. Professeur Violet, avez-vous touché un de ces trois éléments de l'enquête, le coupe-papier, le pistolet ou le couteau ? Le couteau, comme vous avez pu le voir, dans la cuisine. Il vient me voir dans la cuisine, il s'amuse, il m'aide. Machinalement, j'ai pris le couteau, j'ai joué avec, comme je joue avec beaucoup de choses, parce que je suis archéologue, j'aime bien toucher les choses. Et les pistolets, les coupe-papier, ça vous intéresse pas ? Non, ça m'intéresse pas, non. Non, ça m'a pas intéressé en tout cas. Tant mieux. Alors, une question maintenant, Madame Leblanc. Je vous écoute. Alors, c'est moi qui pose la question. Oui, Madame Leblanc. Très bien. Alors, justement, moi, j'aimerais savoir, toujours à propos du couteau. Du couteau ? Oui. Est-ce bien vous qui l'avez pris du bureau pour le mettre dans la cuisine ? Évidemment, vous allez le rechercher. J'en avais besoin pour faire ma cuisine. Je suis allée le rechercher dans le bureau où Madame Pervenche l'avait laissé pour couper mes tomates, couper mon persil, etc. Ça vous coupe le sifflet. Elle s'énerve beaucoup. Ah non. Si. Moi, oh non. Si. Alors, Violette, est-ce que je m'énerve ? Docteur, est-ce que je m'énerve ? Écoutez mon cœur. Attendez. Attendez. Non. C'est un docteur. C'est elle qui me demande. Oui, allez-y. Oui, docteur, vous avez trouvé le couteau laissé par Madame Pervenche sur votre bureau ? Ça me semble pas, non. J'ai pas vu de couteau sur mon bureau. Vous ne l'avez pas pris, donc. Mais attendez, j'ai même pas souvenir de l'avoir vu. Oui, Madame Leblanc, je l'ai pris. On vient de vous le dire. Dans ce couteau, j'ai rien à faire avec ce couteau, moi. Oui. Vous essayez de m'induire en erreur et de me faire dire des choses qui ne sont pas. Je veux simplement savoir avec vous. Oui, à votre heure, je vois bien. Oui, mais à la façon de vous défendre, ça peut les mettre sur une piste aussi. Oui. Alors, Philippe. Qui pose une autre question maintenant au docteur Olive, d'ailleurs. Non, à Madame Pervenche. À Madame Pervenche. Oui. Merci, Madame Pervenche, ça vous arrive souvent de vous promener avec un couteau de cuisine dans les couloirs ? Écoutez, c'est incroyable. Non, j'étais en grande discussion dans la cuisine au sujet du menu avec Madame Leblanc quand tout d'un coup elle décide qu'elle veut changer l'entrée. Bon, alors très rapidement, je vais dans le bureau parce que je savais que Mademoiselle Rose était en train d'écrire tous les menus. Bon, j'ai pris les menus à recopier, le couteau et je suis partie en courant. Voilà. Évidemment. Donc, ça va de soi, je suis bien. C'est... Ce n'est pas désagréable, Leblanc. Colonel, vous avez adressé la parole. Ça m'arrive pas très souvent, mais là, voyez mieux de payer votre note. Voilà. Oui, Mademoiselle Rose, Madame Pervenche a laissé le coupe-papier à la réception. Oui. Et est-ce que c'est vous qui l'avez repris après ? Non, je l'ai laissé à la réception. Parce que j'en ai besoin et... Voilà. Parfait. Bien, vous faites rentrer l'équipe de Jean-Claude Poirot, Nestor. Et quant à vous, chers amis, je vais vous demander de voter maintenant pour, je le rappelle, l'arme du crime. Top, c'est parti. Voilà, résultat du vote du public, c'est un petit peu inattendu parce que vous insistiez tout à l'heure sur le couteau. Si je peux me permettre de le dire comme ça, eh bien, c'est la bûchette. 33% majorité pour la bûchette. Voilà, 33% pour cet objet. Ce qui fait que vous êtes obligé de commencer par la bûchette pour l'arme du crime maintenant dans vos propositions supposées. L'équipe de Michel Larocque, donc la bûchette, donc, bien sûr. Donc la bûchette. Dans quel... L'assassin, nous, on trouve que Mme Leblanc, elle est vraiment véhémente, elle est toujours en train de se défendre. Alors on dit que c'est Mme Leblanc. Mme Leblanc pour l'assassin. Voilà. Et le lieu, Michel ? Et le lieu, Evelyne ? Philippe ? Le reste, on va dire, si c'est Mme Leblanc, la cuisine. La cuisine. La bûchette, la cuisine et Mme Leblanc pour l'équipe de Michel Larocque. Oui. L'équipe de Michel Larocque a une bonne réponse sur trois. Jean-Claude Poirot, votre équipe. On n'a pas encore vraiment défini alors l'arme du crime. Alors on va garder la bûchette. La bûchette. Par contre, on est obligé, donc on va le garder. Oui, ça vous est obligé. Par contre, on va proposer le professeur Violet. Ah, ouais. Le professeur Violet avec la bûchette. Dans le couloir. Ah, mais c'est. Alors vraiment. Le professeur Violet dans le couloir. Incroyable. Mais incroyable. Se faire violer dans le couloir. Se faire violer dans le couloir, oui. Ça bûche, bon. Donc le professeur violé dans le couloir et la bûchette de toute façon. L'équipe de Jean-Claude Poirot n'a aucune bonne réponse sur trois. Nestor, vous arrivez à suivre quand même ? À peu près, monsieur. À peu près, vous êtes comme moi, donc. Moi, je vous propose pour cela de retourner au domaine de l'abbaye. Faites très attention parce que nous allons vous donner un petit coup de main quand même avec un premier indice. Regardez. Bagnot.
Oh, ben dis donc, mais t'es un rapide, toi, Olive, hein? Et combien? Oh, ben c'est pas mal. Hein? Si je peux attendre 20 minutes, ben bien sûr que je peux attendre 20 minutes pour confirmation. Eh ben oui, très bien. Eh ben, à tout à l'heure. Eh ben voilà. Plus que 500 000. C'était le premier indice que nous vous proposions. J'espère que ça vous aide davantage. Nous allons maintenant aborder la troisième partie du jeu concernant l'assassin. Alors, toujours 5 cartes à vous proposer, Nestor, s'il vous plaît. Tout va bien. Absolument, monsieur. Je bois vos paroles telles le nectar des dieux. Ah, c'est plaisir, de temps en temps. Alors, une carte. Hop là. Pour l'équipe de Michel Larocque. Le docteur Olive n'est pas le coupable. Me permettez. Bon, doucement, non. Le colonel Moutarde n'est pas le coupable non plus. Alors, pour l'interrogatoire, maintenant, vous ne bougez plus. Vous ne vous séparez plus. Vous restez en place, Michel Larocque et son équipe, ainsi que vous, mon cher Jean-Claude Poirot. Merci beaucoup. Mademoiselle Rose. Bah, tiens donc. Est-ce que vous êtes allée à la cuisine? Est-ce que je suis allée à la cuisine? C'est une bonne question. Sûrement. J'y passe tout le temps à la cuisine. Bon, elle aime bien de temps en temps aller boire un petit coup avec Madame Leblanc. Oui, elle aime bien. Oui. Excusez-moi, ma chère. Vous voulez rien dire, bon, Madame Pervenche, mais je c'est vrai. Tout. C'est vrai. Alors, pour l'équipe de Michel Larocque, après cette question, Mademoiselle Rose, une question à qui vous voulez. Tiens. Madame Leblanc. Oui. Ouais. Je vais vous poser une question. Oui. Pas plus tard que maintenant. Posez. Ah, avez-vous mis les pas? Oui. Toutes deux secondes. Oui, allez-y. Avez-vous mis les pieds à la réception? Comment? Mais bien sûr, je mets les pieds à la réception. Je mets les pieds partout. Et oui, bah justement. Bah évidemment. Elle est venue m'annoncer le menu. Exactement. Non, mais après. Mais après, avant, je suis tout le temps dans tous les sens, partout, on a besoin de moi, n'est-ce pas, Madame Pervenche? Absolument. Je suis l'élément indispensable à la marche de cette abbaye. Oui. Il y en a bien une qui passe partout, c'est le Mais bien sûr. J'ai même un passe-partout, alors. Ah oui. Pour vous dire. Bah, évidemment. Ah. Ah, tout de suite. Bon. Les questions sont terminées pour l'équipe de Michel Larocque. Oui. Jean-Claude Poirot, ah oui. À vous. C'est confus, c'est très confus. Oh, très bien. Une question? Ah, au professeur Violet. Est-ce que vous avez laissé... Enfin... Comment est-ce que je peux poser cette question? Non. À propos du couteau. Non. Oui. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé du couteau. Le ouais. couteau. Alors, vous l'avez posé, oui. Est-ce que vous l'avez laissé dans la cuisine? Est-ce que vous l'avez laissé en possession de Madame Leblanc? Est-ce que je l'ai laissé dans la cuisine? Je ne sais plus si je l'ai laissé dans la cuisine ou si je l'ai laissé. Mais oui, vous l'avez laissé dans la cuisine. Mais bien sûr. Vous êtes sûr? Mais absolument, le petit Leblanc. Vous vous êtes amusé à couper mes tomates. Après, nous avons coupé le persil ensemble. Parce que c'est vrai que moi, j'emmène des trucs comme ça. Oui, non, mais. Oui, après, Madame Leblanc. Puis aussi, le couteau, je ne me souviens pas. Non. Petit ami, vous l'avez laissé. Oui. Vous l'avez reposé, vous l'avez laissé dans la cuisine. Je m'amusais avec et de le reposer sur la table. On vous répond pour lui, sur l'honneur. Oui, merci, c'est ça. Ça vous suffit? Je peux même pas m'exprimer. Jean-Claude Poirot, une dernière question concernant l'assassin. Monsieur Violet, toujours. Ah. Pas poser de questions sur le couteau. Parce que vous avez coupé la moutarde, vous avez coupé les échalotes, tout avec madame. En fait, non, moi, ce que je voulais savoir, c'est l'argent. Vous, à un moment donné, vous parlez de l'argent qui est enterré dans un jardin. Vous jouez à quoi? Harpagon ou... L'argent, alors d'abord, l'argent n'est pas enterré dans le jardin. Ah, oui. Il n'est pas enterré dans le jardin. Non, ça, c'est une autre histoire. Et voilà, et là je parle, je suis toujours avec Leblanc, qui me fait part de ses craintes par rapport à ses économies. Ah bon, entendu. Voilà. Ils sont très proches l'un de l'autre. Très proches. Jean-Claude, très proches. Ils coupent les tomates ensemble. Voilà. Alors, bien sûr. Et après le couteau s'envole. Le persil. Oui, c'est David Copperfield qui est passé par là. Oui, voilà, c'est voilà. Le couteau s'envole. Bon, l'interrogatoire est terminé concernant l'assassin. Le vote du public tout de suite. Alors, les résultats du vote du public, c'est très important. 56% du public pense que c'est vous, Madame Pervenche, qui êtes l'assassin. Ah, oh, ça c'est étonnant. C'est étonnant, en tout cas. C'est pas croyable. Eh bien oui, je connaissais Monsieur Regnault. Il était l'assureur de mon troisième mari, qui est mort d'une crise cardiaque. Oh, pauvre chou. Il n'a jamais été persuadé de la mort naturelle de mon mari. Il pensait
qu'il n'aurait jamais dû me verser la pension d'essai. Alors il est revenu au domaine pour essayer de me faire chanter. Il voulait rouvrir le dossier, mais j'ai ma conscience pour moi et je sais qu'il ne peut rien m'arriver. Monsieur Violet. Mais moi, je ne connaissais pas Regnault. La seule chose que je pouvais savoir, c'est qu'il n'aimait pas les bandes dessinées. Bon. Par contre, l'argent, ça, il avait l'air d'aimer ça. Moi, vous savez, je suis un archéologue, je suis un passionné, alors les gens qui vivent que pour l'argent, ça ne m'intéresse pas. Alors en tout cas, je vais vous dire une chose, c'est que ce Regnault, il ne va pas me manquer. Alors adressez-vous à quelqu'un d'autre. À Rose, par exemple. Mais bien sûr que je le connaissais, Regnault. J'avais vécu une petite histoire d'amour avec lui. C'était il y a quelques années sur la côte. Ah, c'était beau. Soleil, la mer, le sable chaud. J'y croyais. Je pensais qu'il allait m'emmener. Il m'a laissé tomber, comme toutes les autres, j'imagine. Je peux vous dire que j'ai pleuré. Bon, après, j'ai compris que c'était un profiteur. Mais j'ai eu la haine. Et j'ai eu la haine de le voir revenir. Mais bon, de là à le tuer, excusez-moi, je ne mange pas de ce pain-là, messieurs, dames. Colonel Moutarde. Et vous, colonel? Mais disputé avec Regnault, bien évidemment. C'était une vermine. Il voulait me faire chanter. Il voulait me soutirer de l'argent en prétendant que j'avais travaillé avec un dictateur en Afrique il y a 20 ans. Dire ça de moi, un ancien de l'Indochine, c'est vraiment une crapule. Allez-y. Oh ben moi, j'ai passé mon temps dans la cuisine. Surtout que Madame Pervenche, elle est venue me faire changer le menu à la dernière minute, alors ça m'a fait du travail en plus. Mais vous pouvez demander au professeur Violet, il est venu me voir. Il m'a même aidé à couper mes tomates. Ah, moi, je l'aime bien, ce petit. Bon, je peux y aller maintenant, parce que j'ai une viande à préparer pour ce soir. Vous dînez avec nous? Docteur Olive? Oui, non, moi, c'est vrai que je le connaissais, mais c'était pas le grand amour entre lui et moi. Il était venu pour m'extorquer de l'argent et sous prétexte que j'avais soi-disant fait une grave erreur médicale. C'était totalement faux, bien sûr, mais c'était facile pour lui d'en profiter. Hein. J'essaye de me lancer un peu dans la politique et vous savez ce que c'est. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Bien. À l'issue de ces 6 monologues, je vous propose un deuxième indice qui peut-être peut vous aider, vous, chez vous, vous, le public, et vous, cher détective. Regardez. Aïe, 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 faut que vous m'aidiez mon petit Violet, il y a du grabuge. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre canard qui vous tracasse? Vous inquiétez pas, Leblanc. Faites donc des hamburgers, ça ira très bien. Mais qu'est-ce que vous me chantez avec mon canard? Il ne s'agit pas de ça. C'est de la barbue, du fil, de la filet de barbu. Oh, et puis je m'embrouille. Non, écoutez-moi bien, mon petit, c'est beaucoup plus grave. Grave? Oui. Rapport à mes économies, toute une vie de travail à passer au service des autres, toute une vie. Je sais, vous êtes une femme formidable. Formidable peut-être, mais mes économies. Tout à l'heure, je passais, par hasard, devant la salle de jeu, quand j'ai vu le nouveau client, M. Regnault. Il était avec le colonel Moutarde. Oh, je ne voulais pas écouter, non. Mais ils parlaient très fort, ils parlaient d'argent. Ils avaient l'air drôlement en colère, comme avec Mme Pervenche. Oui, oh, j'ai juste écouté un peu comme ça. Oui, et alors? Eh bien alors, si j'ai bien compris, ce M. Regnault, il cherche de l'argent partout. Remarquez, ça ne me regarde pas, vous me direz. C'est vrai, il fait ce qu'il veut, mais c'est rapport à mes économies que j'ai cachées dans un placard secret dans la bibliothèque. Non. Si. Alors, je suis très très inquiète, mon petit Violet. Ah, mais vous inquiétez pas. Et pourquoi il irait justement fouiller dans la bibliothèque? Ça tient pas debout. Et puis, de toute façon, s'il le faut, votre tirelire, je la défendrai. Hein? Chut. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh! Vous croyez qu'il a entendu? Voilà, alors je vais vous demander maintenant, à vous, le public, de nous proposer votre vote définitif, à savoir qui a tué, quelle arme et quel lieu. Et pendant que vous effectuez ce vote, vous, les détectives, bien sûr, vous allez inscrire les mêmes choses. Qui a tué, quelle arme, quel lieu. Proposition définitive, je le rappelle, sur le parchemin. L'équipe de Jean-Claude Poirot et l'équipe de Michel Larocque. Bien, alors tout le monde a voté, le public, vous, les détectives, quant à vous, chez vous, c'est terminé, plus de téléphone, plus de Minitel. Alors, je le rappelle, comme je ne suis au courant de rien concernant l'énigme, moi j'ai une petite idée, mais finalement très vague. J'avais une idée au début, je dois dire que le poisson s'est noyé quelque peu. Je suis resté figé sur vos propositions concernant le couteau tout à l'heure.
Et puis ce couteau s'est tellement baladé, finalement, pour revenir à la cuisine, que je n'ai plus aucune idée. Aussi, même si cela vous paraît invraisemblable, je pense que là, la seule personne qui peut nous parler véritablement de l'assassin, de l'arme du crime et du lieu où elle a été assassinée, ça n'est autre, mais c'est là que la réalité dépasse la fiction, que la fiction dépasse la réalité, ça n'est autre que M. Regnault lui-même. Ça fait bizarre, hein? Hein, ma petite Rose? T'en avais des raisons, toi, de me trucider. Oui. Mais je crois pas que t'aurais fait ça. C'est bien aimé, tous les deux. Puis je te vois pas en train d'utiliser des armes à feu, des marteaux, c'est pas ton genre. Mais il y a un militaire à côté de toi, ça va, colonel? Pour aller, ça va, c'est pour revenir. Mais, colonel, toi, je te vois plus en train de commander un petit cognac à la fin d'un repas. Exactement. Plutôt que des troupes d'élite au combat, non? Tout à fait. C'est difficile de monter à l'assaut à la baïonnette, hein? Eh oui. Vous avez l'air surprise, madame Pervenche. C'est la première fois que vous voyez revenir des clients? La conscience pour moi. Je sais bien. C'est pas comme votre voisin. Il y en avait des raisons de me supprimer. Le bon docteur. Pour une question d'argent, pfff. Oui, mais c'est précis. C'était un crime assez bien exécuté. Mais je n'y crois pas non plus. Ce serait trop facile. Beaucoup trop facile. N'est-ce pas, madame Leblanc? Eh bien oui, j'avoue, c'est moi qui l'ai tué. Vous savez, quand on a travaillé toute sa vie pour ramasser son petit pécule, on y fait attention. J'ai compris que ce monsieur Rio était prêt à tout quand je l'ai vu faire chanter le colonel Moutarde. Alors j'ai eu peur. Bien sûr, il y avait mon petit Violet qui était là, prêt à m'aider. Il est si gentil, mais c'est un rêveur. Il fallait prendre une décision. Il fallait agir vite. Aussi, quand j'ai vu Regnault se diriger vers la bibliothèque, mon sang n'a fait qu'un tour, vous imaginez, il fallait agir vite. J'ai vu le coupe-papier à la réception, je l'ai pris. J'ai regardé s'il n'y avait personne et j'ai suivi Regnault. Il fouillait partout comme un fou, il allait forcément trouver. Alors, j'y suis allé, j'ai frappé. Dieu est son âme. Le problème, c'est qu'il y avait du sang sur mes chaussures, alors je suis retournée à la cuisine pour les laver, mais ça voulait pas partir. J'ai pris une vieille paire dans le placard à balai, et puis je me suis versé un grand coup à boire. Rien, juste une petite soif. Je peux bien vous le dire, tout ça, ça donne des émotions. Nestor, si vous voulez bien retirer les menottes de Madame Pervenche et les passer bien sûr au poignet de Madame Leblanc, et je vous demande également d'accueillir Monsieur Regnault, autrement dit Gérard Rinaldi. Une victime qui revit. Pas de théâtre en ce moment, Gérard? Non, je me suis arrêté il n'y a pas si longtemps. Oui, il y a quelques mois, et pour une reprise de perspective pour la... Ah, ben j'espère bien, en début d'année. Il y a des petites choses qui se précisent. Alors moi, je pense... Mais c'est encore du top secret. Comme je vous connais depuis quelques années, je pense qu'il y a cette belle aventure du théâtre formidable. Est-ce qu'il n'y a pas quelques envies ou quelques propositions côté cinéma également? Je vais aller tourner un film le mois prochain, enfin au mois de novembre. Oui. Qui va m'emmener en Pologne, il paraît que ça se fait beaucoup en ce moment. Oui. Où je vois un monsieur qui adopte un petit bébé. On va me confier un rôle dramatique, enfin. J'en suis bien content. Merci, Gérard, en tous les cas, de vous être prêté. Merci à toute l'équipe. À cette fiction. À la belle brochette. Voilà. Alors que je sais qu'au fond de son cœur, Madame Leblanc vous adore. Oh, elle m'a tué très gentiment. C'est un incident de parcours. Merci, Gérard. De rien. À bientôt. C'était un plaisir de mourir pour vous. Mais vous revenez quand vous voulez. Salut, Gérard. Bien. Alors... Maintenant, nous allons savoir ce que vous avez inscrit sur vos parchemins, les porte-paroles, Michel Larocque, Jean-Claude Poirot, vos équipes, puisque nous savons
que c'est vous, l'assassin. Hélas. Vous n'avez pas une tête d'assassin, pourtant. Passe-pied aux apparences. Comme dirait Léo Ferré, je t'aimais bien, tu sais. Oui. Alors, première lecture, Michel Larocque. Eh bien, nous avions trouvé que Madame Leblanc avait une tête d'assassin. Merci. Lisez ce qui est écrit sur le parchemin, donc, Michel. Donc, je lis Madame Leblanc, oui, avec un coupe-papier, oui, dans la bibliothèque, a tué Monsieur Regnault. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonne réponse. Jean-Claude Poirot, de votre douce voix, peut-être une voix inimitable ou imitée. Eh bien, écoutez, nous avons également Madame Leblanc, le coupe-papier dans la bibliothèque. Bonne réponse également, bravo, ils sont forts. Je vous félicite et je voudrais que vous regardiez maintenant ce que vous avez gagné. La vie de château, le temps d'un week-end avec la personne de votre choix au château de Vaux-de-Luny en Bourgogne. Dîner aux chandelles, de nuit en chambre de luxe et un vol en montgolfière. Vous remporterez en plus un abonnement au magazine Télé-Loisirs. Il y a également pour chacun d'entre vous des jeux Cluedo, bien entendu, portés par Valérie ce soir. Bonsoir Valérie. Côté public, les résultats, combien y a-t-il de gagnants dans le public? 24 gagnants parmi le public. À ces 24 gagnants, vous aussi, vous aurez un jeu Cluedo et en plus, un abonnement de 6 mois au magazine Télé-Loisirs. Pour vous, va s'inscrire maintenant sur votre écran le nom du gagnant parmi les téléspectateurs qui ont trouvé bien sûr la bonne réponse. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque vous allez recevoir le même cadeau que nos détectives. Donc, bonsoir. Quoi que vous fassiez maintenant, faites-le bien. Merci à tous. Bonne soirée. Et on se retrouve dans un mois. Au revoir.